Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde dédiée à la relocalisation en Bretagne. Donc, comme vous le savez, la crise du Covid-19 a mis en lumière la dépendance de la France dans certains domaines stratégiques après des décennies de désindustrialisation. Les enjeux environnementaux imposent eux aussi de changer de modèle. Alors dans ce contexte, quels sont les atouts de la Bretagne et pour quel potentiel d'emploi Quels sont les freins aussi auxquels peuvent être confrontés les entrepreneurs dans leur reconquête industrielle Et comment les acteurs locaux peuvent-ils les accompagner C'est ce que nous allons voir donc pendant ces 45 minutes. Alors avec nous pour, pour en parler donc Malo Boissel Dubourg, vous êtes directeur général du Réseau Produits en Bretagne. Bonjour. Bonjour Laurence Fortin, vice-présidente territoire, économie et habitat de la région Bretagne. Bonjour. Bonjour. Euh, à vos côtés donc Marc Sabardeil, vous êtes cofondateur de, de 3D textes une jeune entreprise euh, voilà dédiée à la à la bonneterie, au tricot. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et à vos côtés Solène Douard, euh, directrice générale donc de Tribala Noyal. Euh, Bonjour. Alors, Bonjour. Évaluer le potentiel donc de relocalisation en Bretagne à l'horizon 2030, c'est justement l'exercice auquel s'est prêté le cabinet Goodwill Management. L'étude a été commanditée par le réseau produit en Bretagne qui fédère près de 500 entreprises aujourd'hui, c'est bien ça euh, fait. 110 000 salariés, c'est ça. Euh, et donc sur les cinq départements, aussi c'est important de le dire, c'est sur euh, voilà, les, les cinq départements. Euh, pourquoi, euh, Malo boissel dubourg cette étude justement sur le potentiel de relocalisation en Bretagne, et euh, est-ce que la Bretagne n'a pas déjà une bonne culture de, de l'achat local Alors si, effectivement, la Bretagne euh, a une bonne culture de l'achat local. Par exemple, quand on regarde sur le panel Nielsen, la part des produits locaux dans la grande distribution. Elle est du double en Bretagne de celle qu'on observe dans les autres régions françaises. Ou encore, j'extrais je, un chiffre de, de l'étude Goodwill, la Bretagne répond à ses propres besoins à 73%. Et donc le reste est couvert par 15% d'importation et 11% qui vient du reste de la France. Donc on pourrait se dire, ma foi, euh, on, est, on est déjà pas si mal. Euh, mais cela dit, produit en Bretagne a pour raison d'être le développement de l'emploi en Bretagne. Et l'objectif de notre, de notre étude, c'était de mesurer le potentiel de relocalisation à la fois des achats, mais aussi des activités, d'une façon plus générale, en Bretagne. Relocalisation, localisation, qui sont deux notions un petit peu différentes. Et puis, euh, on voit bien sur notre site qu'il y a en permanence entre 2 et 4 000 offres d'emploi. Donc, on est vraiment au cœur de, de, de nos préoccupations quotidiennes avec des slogans comme euh, ⁇ Mon engagement pour l'emploi, je relocalise ⁇ Donc, on est, on est bien dans le sujet. Et justement, on disait finalement, la Bretagne n'est pas si mal positionnée sur les achats locaux. Est-ce qu'on assiste aussi depuis des années à une baisse des délocalisations Et si oui, pourquoi On est sur un plateau, en fait. La grande vague des délocalisations s'est un peu terminée. Dieu merci. La bonne nouvelle, c'est qu'une des causes de ces délocalisations, c'était des écarts de coûts qui étaient très, très significatifs, notamment entre la Chine, parce qu'on prend toujours la Chine en exemple, l'atelier du monde. Et, euh, et le reste du monde. En l'occurrence, si on prend l'exemple de la Bretagne et de la Chine, il y avait dans les années 2000, il y avait 80% d'écart de coût de revient. Euh, 20 ans après, il n'y a plus que 30% d'écart de coût de revient. Et euh, si on prend en compte tout ce qui vient en plus, c'est-à-dire le transport, euh, le stockage, la maintenance, les risques, les assurances, etc., on arrive à ce qu'on appelle le total cost of ownership, le coût total de détention, qui est qui, qui manifeste un écart de 10% cette fois-ci. Donc avec 10%, on est dans quelque chose qui se regarde. Alors cette étude, comment est-ce qu'elle a été menée Quels sont les, les critères qui ont été pris en compte Alors l'étude a été menée selon une méthodologie qui consiste à regarder tout ce qui rentre en Bretagne, tout ce qui sort en Bretagne, de façon assez basique, avec des statistiques. C'est une méthode matricielle qui, que l'on tient d'un certain Léon Thief, qui est un prix Nobel d'économie. Et euh, à ces chiffres-là sont ajoutés des interviews, des interviews d'experts sur les différents sujets qui sont balayés. Donc au départ, on part d'un champ à 360. 582 secteurs d'activité ont été regardés. Parmi ces 582, il y en a 188 qui ont été étudiés plus spécifiquement. Et au bout du compte, on le verra tout à l'heure, on aboutit à 17 secteurs prioritaires. Et les critères qui sont pris en compte, bon, on regarde d'abord si on a affaire à un secteur qui importe beaucoup dont le solde est très en défaveur de la Bretagne, mais quand même pas uniquement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un secteur qui importe beaucoup, mais qui sache aussi exporter un petit peu. Sinon, c'est le signe probablement qu'on ne sait pas du tout le faire en Bretagne et que c'est peine, peine perdue. Donc ça, c'est un premier critère. Est-ce qu'on importe beaucoup, est-ce qu'on exporte un peu Est-ce qu'on a déjà un petit, peu, un petit embryon de savoir-faire là-dessus Et le deuxième critère, c'est qu'on euh, a passé euh, les, les secteurs qui, qui nous arrivent, on les, on les passe au crible du développement durable. Ça, c'est plutôt un choix en fait, de la personne qui a mené l'étude en l'occurrence, euh, Alan Fustek, qui est aussi patron de l'agence Lucie en RSE. Donc euh, voilà, on voulait que y ait cette cohérence là aussi. Alors on a compris un petit peu le modèle de l'étude. Euh, le bilan, c'est quoi quel, quel est le potentiel d'emploi Quelles sont les retombées économiques que vous avez mesurées Alors ça aussi, c'était vraiment une très grande bonne nouvelle, un peu une surprise, il hein, faut bien dire ce qu'il y a, parce qu'on arrive à un chiffre colossal de 130 000 emplois potentiels, 60 000 emplois en relocalisation, 50 000 en localisation. Et 20 000 dans le tourisme durable, euh, sachant que, évidemment, on parle d'un potentiel, on parle pas d'un objectif. C'est un marché potentiel global, mais on part d'une copie qui est très généreuse. Donc euh, là-dedans, il y a du travail à faire. Ça va être très intéressant. Mais évidemment, c'est une photo. Donc derrière cette photo, il va falloir choisir des secteurs prioritaires et ces secteurs prioritaires, ben, les prendre peut-être un par un et les travailler, parce que là, pour le moment, cette, cette étude n'est qu'à une première marche. Justement, ces secteurs prioritaires, ce sont les. Alors, euh, je vous ai parlé de 17 secteurs prioritaires tout à l'heure. Donc, euh, il y en a dans le domaine de la relocalisation, 60 000 emplois. Je ne veux pas tout vous citer, mais je vous en cite quelques uns. Construction et réparation aéronautique. Je vous rappelle que notre étude se fait sur la Bretagne à cinq départements. Donc, forcément, il y a la Loire-Atlantique et il y a la construction et la réparation aéronautique. Mais c'est un secteur très important, potentiellement. Euh, le traitement des déchets gros secteur aussi, la filière emballage, très concret, on est beaucoup beaucoup d'entreprises sont concernées en Bretagne, on est gros consommateur et gros fabricant d'ailleurs d'emballage, mais on peut aller plus loin. Les gros éléments de plastique, des instruments de levage. Tiens, j'en ai un là qui est intéressant, l'équipement agricole et agroalimentaire sur le quoi tracteur mis à part parce que ça c'est un marché très très particulier, mais sur l'équipement agricole, on pourrait devenir leader mondial en Bretagne. Donc il y a vraiment du potentiel. Ça c'est pour la relocalisation. Les quatre chantiers majeurs de la localisation qui ont été retenus, ce sont les énergies renouvelables, un peu sans surprise, les matériaux bio et composites, l'aquaculture et la recherche. Et le tourisme durable, ben c'est le potentiel touristique qui est énorme en Bretagne, qui, qui change un peu de nature euh, avec euh, un tourisme toute l'année, bon, etc. Donc ça fait 130 000 en tout. Et pour nous accompagner dans cette démarche, on a, on a un peu confié le bébé à un des cofinanceurs de l'étude. On ne l'a peut-être pas dit, mais en fait, on n'était pas tout seul produit en Bretagne à porter l'étude, mais on était avec la région qui a cofinancé cette étude, avec Arkea, avec le Medef Bretagne. Et le Medef Bretagne s'est emparé des conclusions et euh, va travailler secteur par secteur parce qu'ils sont en capacité de s'organiser par filière. Et je crois savoir qu'ils vont commencer par euh, s'intéresser euh, à l'emballage. Voilà. Alors justement, Laurence Fortin, donc la région a contribué à cette étude. Est-ce que vous avez été surprise par les résultats et quels sont les principaux enseignements que vous en tirez Oui, alors non, nous n'avons pas été surpris. On va dire que cette étude vient confirmer des intuitions, mais par des éléments chiffrés sur une capacité de production, de relocalisation sur notre territoire. J'ai envie de dire que cette étude, elle tombe aussi. À un moment où le contexte est particulier. Euh, on est en pleine période Covid. Euh, on vit des choses euh, très particulières. On n'arrive pas à se livrer euh, en masse, en gel l'hydroalcoolique, on, on mesure bien euh, notre dépendance. Alors, euh, bien entendu, sans remettre en cause euh, complètement la mondialisation, euh, cette étude tombe à un moment où les uns et les autres, euh, on s'interroge. Je parle de la crise Covid, mais pas que. On pourrait parler aussi de la crise environnementale avec toutes les questions qu'on a derrière et les solutions qu'il va nous falloir retrouver. Donc on voit bien que, un, cette étude, non, ce n'est pas une surprise, elle confirme des intuitions et elle nous donne des axes. Un des éléments vraiment intéressants qui apparaît dans cette étude, d'abord parce que ce sont les arguments qu'on a toujours utilisés pour dire qu'on ne peut pas produire chez nous sur notre territoire, c'était les différences de coûts. Là, on voit bien, et les chiffres qui sont donnés... L'illustre clairement. Je serais même curieuse qu'on réactualise cette donnée avec des éléments qu'on a à ce jour sur la question du transport, parce que je suis même persuadée que là, on ne sera pas à moins 10 ou autre. On va être en gain, certainement. Et si on intégrait la question du bilan carbone réel sur la production, je suis persuadée qu'on regarderait les choses différemment. Donc, c'est quand même intéressant. On peut se dire que. La Bretagne est quand même une terre de production, une terre de transformation. On a des outils, on a des savoir-faire, on a des hommes, des femmes qui bossent, qui savent bosser. Euh, j'ai envie de dire que cette étude, elle, elle tombe bien. Elle nous donne euh, un cadre et j'ai envie de dire, peut-être un, un coup à jouer. Enfin, vraiment une, une réelle opportunité euh, au-delà des emplois euh, qui sont annoncés et du potentiel. Pour autant, pour le réussir, il faut quand même, c'est pas rien, à partir d'une étude. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette étude Comment on la travaille Alors, c'est vrai que il faut d'abord se fixer un cap. C'est quoi nos ambitions C'est quoi nos réels atouts Et comment on s'organise pour mener tout ça Une fois qu'on s'est donné un cap avec des filières dites stratégiques, avec des priorités, il faudra sans doute y mettre des moyens. Et je reste aussi persuadé que que ça va être une mobilisation de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule collectivité qui pourra accompagner le développement, ça sera bien sûr une mobilisation des acteurs industriels, mais bien sûr, ça s'inscrira aussi dans une volonté nationale de relocalisation, parce que c'est un des enjeux majeurs, je pense que ça, c'est important. Et puis, il faut peut-être garder ce qui a fait l'objet de cette étude, c'est un travail partenarial, et sans doute que ces questions de relocalisation les expertises des uns et des autres, ce travail en commun peut nous aider à avancer dans ce domaine. Donc, je reste persuadée qu'il faut continuer à travailler. Comme on sait travailler en Bretagne, c'est une chance quand même en PAC pour avancer et répondre vraiment aux défis qui sont devant nous. Parce qu'on voit bien encore plus dans le contexte actuel que de toute façon la question, y compris actuellement sur la pénurie des matières premières et autres, fait qu'il y a un moment ou l'autre, il faut vraiment qu'on qu s'organise, qu'on travaille, qu'on qu'on réétudie les choses avec des nouveaux prix dans un nouveau contexte. Alors, Solène Douard, vous, vous êtes directrice générale, donc je disais, de, de, de Tribala, qui est à Noyal-sur-Vilaine. Euh, Aujourd'hui, il y a près de, de 1 400 salariés, et puis euh, des marques euh, très connues, comme Sojasun, Vrai, Sojade, euh, Petit Billy et Grillon d'Or. Euh, la relocalisation des achats, c'est une démarche que vous avez entamée euh, il y a de nombreuses années déjà, euh, vous me citiez en préparant cette conférence euh, l'exemple de Petit Billy, notamment où il a fallu créer finalement toute une filière bretonne euh, autour du lait de chèvre. Comment est-ce que vous avez procédé à l'époque et comment est-ce qu'on convainc des éleveurs euh, de, de vous suivre oui, l'histoire du petit Billy, en fait, à la base, à la genèse, c'est qu'il y a un atelier dans le centre de la France, donc à Billy même, qui produit du chèvre en appellation. Donc, c'est Valençais, celle sur chair, etc. Et puis, à ce moment-là, il y a un besoin marché qui émerge, en tout cas, il y a une nouvelle idée qui est de vendre du chèvre frais. Et, et en fait, je dirais que l'histoire du petit Billy illustre comment, avec des convictions, des contraintes, ça peut générer des opportunités et des choses qui prennent sens aussi. Et donc euh, au moment de ce nouveau besoin d'un produit de chèvre frais, finalement la, la première démarche, c'est de demander aux producteurs du coin qui sont sous appellation s'ils sont partants pour produire, en fait, euh, augmenter la collecte, mais hors euh, appellation. Et à ce moment-là, non, en fait, voilà, ça ne s'apprend pas. Et puis euh, au même moment en Bretagne, donc à, à Noyal, il y a aussi les quotas laitiers qui arrivent. Et puis, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se retrouvent pénalisés par la règle de calcul du moment, où on prend en référence ces trois dernières années. Et finalement, ils se retrouvent limités dans les droits à produire avec quelque chose qui est difficile à vivre, puisque certains ont investi et donc ont, ont besoin, en fait, ne s'y retrouvent pas dans cette limitation. Et donc, euh, viennent vers Jean Clanchin à l'époque, lui dire que ça n'allait pas le faire, quoi. Pour eux, c'est vraiment problématique de devoir être contraints à des volumes et qu'ils allaient devoir euh, arrêter. Et au même moment, il y a une autre contrainte aussi qui est là c'est que le lait stérilisé, qui est à l'époque euh, un marché très important pour l'entreprise, commence à décliner. Et donc, il y a cette attention de l'entreprise de dire qu'est-ce que je vais faire de ces 50 personnes, comment je préserve l'emploi, etc. Et en fait, c'est la somme de tout ça où, à un moment donné, euh, la proposition est faite à ces producteurs qui, qui, pour qui l'avenir semble menacé d'oser finalement se lancer dans l'élevage de chèvres. Donc c'est un pari fou à l'époque parce que ce n'est pas, pas un territoire d'élevage, c'est des exploitations complètement différentes, il y a tout un travail à faire aussi sur la race animale, etc. Donc ça peut paraître un pari un peu fou à un moment donné, donc la question de convaincre n'est pas évidente. Et je crois que ça passe quand on regarde avec le recul, alors ça passe déjà par des convictions et la foi et le sens. Dans ce qu'on fait, et puis ça passe aussi par l'accompagnement et de la prise de risque. Et c'est pour ça que chacun a un rôle à jouer. En tout cas, à l'époque, euh, la prise de risque, elle était malgré tout partagée, et l'entreprise a joué son rôle puisque elle a, pendant cinq ans, accompagné en fait en apportant les compétences que les agriculteurs n'avaient pas y compris en fait évidemment sur tout le travail euh, sur la race animale euh, les conditions d'élevage etc mais y compris avec un architecte pour construire comment le bâtiment devait être construit etc parce que c'est pas du tout pareil de traire des chèvres ou de traire des vaches quoi vous voyez voilà et en tout cas euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que bah oui ça a été euh, le challenge de créer ex nihilo une filière de chèvres donc en Bretagne c'était dix producteurs qui ont cru à l'aventure au démarrage et quand le petit Billy se lance sur le marché cinq ans après, c'est 5000 chèvres et 20 producteurs qui, qui, ont, qui ont dit oui en fait, à cet appel. Et aujourd'hui c'est plus de 50 emplois et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant de regarder avec le recul aussi avec un peu d'audace, avec un peu de courage, avec un peu de conviction comment on peut euh, bah, dépasser ce qui paraît pas possible finalement. Alors aujourd'hui vous avez un nouveau défi, euh, c'est celui de la relocalisation de, de l'avoine, euh, qui jusqu'à l'année dernière arrivait de, de Finlande, c'est ça euh, quelle est la prise de risque aujourd'hui pour vous justement sur ce, ce nouveau challenge et est-ce que ça coûte plus cher aux consommateurs à l'arrivée Alors l'avoine c'est pareil, hein. c'est vraiment en plus on est dans le, une démarche, une réflexion RSE aujourd'hui toute la journée c'est vraiment partie l'impulsion sur l'impact sociétal de l'entreprise et euh, à, quoi on rêvait, enfin à quoi on croyait et, et de quoi on rêvait. Et donc, l'avoine, quand on est des fabricants de céréales, petit déjeuner, c'est la matière stratégique. Et donc, ça nous posait vraiment problème. Mais comment on peut accepter, quand on est dans la bio et quand on veut avoir un impact sociétal, d'accepter que notre matière stratégique, elle vienne de Finlande D'ailleurs, le ça. consommateur n'imagine pas forcément que, que ça arrive de Finlande. Oui. Et donc, euh, donc ça d'abord été une impulsion de la part des collaborateurs, qui, qui c'était un sujet qui traînait enfin, depuis dix ans. Ça faisait plus de dix ans que l'entreprise essayait de trouver une solution à cette forme d'impasse, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de culture en France et il y avait un problème de rentabilité. Et donc, euh, donc à partir d'une vision d'avenir, un groupe s'est levé, c'est dire bon, on va aller jusqu'au bout de regarder à quel prix, à quel risque on peut imaginer d'avoir notre filière avoine de France transformée en France. Et donc concrètement, ça s'est matérialisé par une prise de risque sur l'investissement. On parle de plus de 4 ,5 millions 5, donc un investissement historique qu'on a fait pour finalement réussir à décortiquer et floconner l'avoine embarquer les COP et toutes les, les, les producteurs pour pouvoir oser la culture de l'avoine et convaincre avec des éléments, par exemple, d'intérêt sur la rotation des sols. On est quand même dans la bio et donc c'est intéressant de la rotation des sols. Et puis il y a la question du revenu agricole qui est venue rapidement. Et donc nous, on a accepté deux choses. On a fait notre part, en fait. On a accepté deux choses. C'est d'abord d'investir... Plus sur une partie du process qu'on appelle le décorticage pour permettre aux agriculteurs de cultiver en fait de l'avoine vêtue, hein, parce qu'avant, en fait avant on y a une petite coque sur l'avoine et, et on a besoin de l'enlever en fait. et donc on peut choisir de cultiver de l'avoine, enfin en tout cas nous d'acheter de l'avoine nue. Donc on a investi un peu plus que ce qu'on aurait a priori fait pour faciliter en fait. Euh, euh, l'optimisation le, le, du revenu agricole et ensuite en regardant on a aussi accepté de l'acheter plus cher pour, que, pour inciter en fait les agriculteurs à sortir de la culture exclusivement blé c'est essentiellement ça la problématique et diversifier en fait, euh, les cultures et puis au bout du bout bah, quand on a mis des chiffres hein, puisqu'on est aussi garant de la pérennité de notre entreprise donc quand on fait ça il faut le faire aussi en, en responsabilité et eh bien on a regardé sur le marché si on pensait que ça avait une valeur on fait des études, c'est vrai que les consommateurs sont prêts à dire qu'ils sont pour le Made in France, mais quand on passe à la caisse, ils ne sont pas forcément prêts à acheter plus non plus. Donc il y a aussi des enjeux de pouvoir d'achat, il y a plein de choses qui se jouent au moment de l'acte d'achat. Et donc nous, on a considéré qu'en tant que marque bio pionnière sur le céréales petit-déjeuner bio, et au nom de notre raison d'être, on devait proposer du 100% France, et en même temps, on ne devait pas être plus cher. Donc euh, bah, on a sacrifié un point de rentabilité et on l'a fait collectivement tous ensemble pour assumer ça voilà donc on le, le répercute pas dans le prix au consommateur aujourd'hui euh, et puis malgré tout on, on espère hein, que c'est ce qui peut créer de la fidélité à la marque et voilà en fait hein. est-ce que le consommateur le voit vous disiez ça lui coûte pas plus cher euh, mais en même temps il y a tellement de labels aujourd'hui c'est difficile de s'y retrouver est-ce que le consommateur se rend compte de la différence euh, par rapport à un produit concurrent est-ce qu'il le voit que c'est de la bonne français est-ce qu'il le sait Objectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que sur les packaging, il y a tellement d'informations. L'acte d'achat, en fait, il se passe en moins de 30 secondes en magasin. Donc, c'est assez difficile. Donc, il y a tout un travail, en fait, en amont et en aval dans l'expérience d'achat qu'il faut faire pour vraiment expliquer derrière chaque marque, derrière chaque produit, qu'est-ce qu'il y a vraiment, en fait. Et donc, ça, c'est aussi une prise de conscience chez nous dans la façon de communiquer qu'il y a une grande partie, en fait, de l'approche pédagogique qui se fait avant que le consommateur soit dans le magasin. Est-ce qu'il y a des activités, des segments sur lesquels vous n'irez pas justement parce que là pour le coup on n'arrivait pas à trouver une rentabilité suffisante alors, on a, alors, nous on est historiquement déjà très engagé en fait sur les provenants France, on cadre au nom de quoi on achète en fait des ingrédients longue destination. Il euh, y, y a des sujets, par exemple, qui nous posent problème, enfin, qui nous posent question sur euh, la végétalisation de l'alimentation et donc l'origine de, de tout le végétal qu'on peut utiliser. En ce moment, il y a une grande tendance sur l'amande et la coco, etc. Et donc, euh, sur la question de l'amande, il bon, y a des projets de filière France qui se montent, etc. Mais il y a déjà de l'amande en Europe et puis il y a de l'amande surtout aux États-Unis. Et ça nous pose vraiment... Question de dire au nom de quoi euh, on est très attendu sur l'offre en amende en tant que pionnier du végétal, évidemment. Euh, et donc, on, on se pose toujours question au nom de quoi. Et donc, on n'ira pas à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition euh, acheter de l'amende. En fait, euh, en dehors d'Europe, ça, c'est sûr. Même si le yaourt, il risque d'être un peu moins blanc quand on achète l'amande en Europe. Pour nous, ça a pas de sens d'aller acheter de l'amande aux États-Unis tout ça pour avoir un yaourt plus blanc que blanc. Quoi. Et ça, c'est une réalité. Hein. Le consommateur n'en a pas forcément conscience, mais il va vouloir son produit est, est bon s'il est bien blanc. Mais pour avoir du produit bien blanc, aujourd'hui, il faut soit l'acheter aux États-Unis, ou soit mettre plein de produits dedans pour qu'il soit tout blanc. Quoi. Donc, ça, c'est des choses qu'on s'interdit. Et donc, en rentabilité du coup, euh, bah, ce n'est pas les mêmes. Donc, on accepte de dégrader en fait nos modèles économiques. Ce qu'on regarde, c'est toujours notre capacité à pérenniser l'emploi. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et puis, la capacité à investir dans nos outils industriels et dans l'innovation. Voilà. Après, on a la chance dans une entreprise familiale. Je pense que sur le territoire breton, ça, c'est aussi un atout de la Bretagne. Il y a beaucoup d'entreprises familiales et le rapport au temps, le rapport à la rentabilité n'est quand même pas le même. On peut se donner du temps, donc ça nous aide. Alors, Marc Sabardet, vous êtes sur un marché aussi qui, qui peut être compliqué, celui, celui du textile. Euh, 3D Text a, a, a lancé véritablement la production, je pense qu'on peut dire cet été, c'est ça le, le dé, démarrage véritable de la production Oui, c'est ça. On a euh... lancé nos premières commandes fin, fin août pour une livraison euh, à, à mi-septembre. Donc, c'est vraiment tout neuf. Et donc, on, on disait dans un marché du, du textile qui est très concurrentiel, euh, vous avez décidé, vous, de miser sur la fabrication de pulls et de bonnets avec une usine nouvelle génération. Tout est automatisé, ou presque. Euh, Est-ce que c'était un impératif pour être compétitif Alors, vous le faisiez remarquer, Aline, euh, le marché du textile, hein, c'est un marché qui est extrêmement compétitif. C'est un marché qui est mondial d'abord. Euh, bon, évidemment, très sujet à la délocalisation, mais la délocalisation, il y a une raison à cette délocalisation c'est que le textile, plus que peut-être beaucoup d'autres biens de, consommat de consommation, est très consommateur de, de, de frais de personnel. C'est-à-dire que tous les vêtements que vous portez, là, dans la salle, sont faits à la main. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Mais le tissu, on fait des gros paquets de tissus, on les coupe à la main. Et ensuite, ça passe entre d'autres mains qui vont agencer, assembler ces morceaux-là avec une machine à coudre, hein, sans prendre de, de termes techniques. Et ensuite, ça va passer chez, chez, chez quelqu'un qui va le laver, et puis quelqu'un qui va le repasser. Mais à chaque fois, ce sont des personnes. Aujourd'hui, euh, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à réindustrialiser en France également, euh, aujourd'hui, si on voulait faire ce que nous faisons, donc nous sommes une entreprise de fabrication de tricots, de pulls, comme euh, euh, nos illustres voisins euh, normands ou, euh, ou quimpérois, euh, si on voulait faire les, les quantités que nous allons faire euh, à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire 80 000 pièces euh, par an il faudrait que nous soyons à minima 50. Or, nous, on a prévu de le faire avec 20 personnes. Alors oui, c'est 20 personnes au lieu de 50, mais si nous n'étions pas passés euh, par cette phase-là, nous ne pourrions absolument pas être compétitifs parce qu'on n'a pas les savoir-faire, on en reviendra dessus tout à l'heure. Du coup, il faut former tout le monde, ça veut dire que vous restez un an, un an et demi sans rien sortir de l'usine. Du coup, bah, vos prix s'envolent et vous n'êtes absolument pas compétitif. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, le consommateur, comme le faisait remarquer Solène tout à l'heure, euh, bah, il y a une élasticité prix. Oui, on est peut-être capable d'acheter un petit peu plus cher quand c'est de la fabrication française, mais il y a une limite à ça. Et nous, notre volonté chez 3D Tex, c'est de monter rapidement en capacité et de passer de 80 000 pièces dont je vous, vous parlais à 300 000 pièces dans 5 ans. Pour pouvoir être à un niveau de prix comparable avec nos compétiteurs directs, que sont le bassin méditerranéen. On ne parlera pas de l'Asie, qui est une autre donnée économique. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'être compétitif avec le, le proche bassin méditerranéen. méditerranéen. Pardon, méditerranéen. Euh, voilà à peu près ce que je pourrais dire sur cette notion et cette nécessité d'être compétitif. Si, nous, nous, si à horizon 3 euh, euh, ans, on n'arrive pas à passer ce cap-là, euh, ben, on n'a pas de raison d'être parce qu'il y a déjà euh, en France de nombreux producteurs. On est environ une vingtaine à faire du pull en France. Euh, ben, si on n'est pas capable de produire autrement et de produire autre chose, euh, ben, on est... On n'a pas de raison d'être. C'est un investissement de, de quelle ordre Je crois que les, les machines sont, proviennent du Japon, c'est ça C'est ça. Aujourd'hui, c'est enfin, un investissement qui représente combien Alors, ce sont des machines euh, entièrement automatisées. Quand je disais tout à l'heure, il y a 20 personnes. Euh, pour ces 20 personnes, il y a 10 machines qui fonctionnent avec euh, une babysitter à chaque fois, quoi. une personne qui s'occupe des 10 machines, comme ça, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Euh, chaque machine coûte 160 000 euros. Donc c'est pour euh, au niveau du textile par rapport à une piqueuse d'atelier euh, ou une machine à coudre qui coûte environ 1 000 euros, là on est sur un investissement important. Donc on est sur un investissement global de l'atelier euh, de 2 millions 300 000 euros. Le, la spécificité aussi c'est de produire avec zéro déchet. Euh, si, Est-ce que c'est un, est un argument important pour le consommateur Cet aspect environnemental aussi. Le, le textile c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc ça. On, Là aussi, on n'en a pas forcément euh, euh, conscience parce qu'on nous parle toujours de recycler, de matières recyclées, des choses comme ça. Mais le textile à recycler, euh, bon courage, c'est extrêmement complexe. Il y a des filières qui sont en train de se mettre en place pour, recyc pour recycler le, le textile. Ça demande soit de le broyer, euh, soit euh, de, si c'est un pull, de complètement le défibrer, c'est-à-dire de défaire toutes les mailles et puis ensuite de couper... Euh, euh, de revenir à la fibre. C'est un, un procédé industriel qui est coûteux euh, en temps, en énergie et euh, tout simplement économiquement. Donc le déchet, le meilleur des déchets, j'ai envie de dire, c'est celui qu'on ne produit pas. Nous, nos machines produisent, des, euh, font des produits qui tombent de la machine, ils sont terminés en une seule pièce. Alors que le schéma que je vous prenais tout à l'heure, on prend un morceau de tissu, on colle le patron dessus, on coupe. Et puis on assemble les morceaux. Évidemment, ça, ça laisse des déchets. Ça laisse environ euh, de 15, suivant les techniques, à 30 de déchets. L'avantage de notre système, c'est que la machine, euh, quand le, le pull tombe du métier à tricoter, le pull est terminé. Il n'y a pas d'assemblage à faire, et on a en moyenne 1 à 2 de, de, de déchets qui sont les fils qui servent à commencer le, le, le pull, voilà, et qui sont recyclables en plus. L'un des enjeux aussi, vous l'avez esquissé, c'est la problématique des, des compétences, de, de la formation. Euh, ça, aujourd'hui, pour vous, c'était compliqué de trouver des personnels formés s'il avait fallu procéder autrement. Et même aujourd'hui, euh, voilà, est-ce que vous avez trouvé facilement les, les compétences adéquates Alors, euh, toujours si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si, si on voulait faire des pulls de façon traditionnelle en assemblant des panneaux. Pour les personnes qui assemblent les, les panneaux, on appelle ça des, des remailleurs ou des remailleuses, euh, pour former une personne, il faut deux ans environ. Euh, et un pull, s'il prend 40 minutes à être tricoté, il prend environ 40 minutes supplémentaires à être assemblé. Donc, euh, ça demanderait, je le disais tout à l'heure, à minima de, entre deux et trois fois plus de personnel. Or, ce personnel, aujourd'hui, il n'y a plus d'école de formation. Le dernier. Euh, euh, le, le, la dernière formation spécifique textile pour tricotage, euh, c'était un BEP de bonnetier, il a fermé en 2004. Donc on a un double, un double problème, un vieillissement des populations quand il en reste, je pense à des gens comme Saint-James par exemple, qui ont un grave problème de, de recrutement aussi euh, parce que bah, le personnel est vieillissant et pas en retraite, euh, et puis euh, des compétences qui sont longues à acquérir. Donc ce que nous avons choisi de faire... C'est déjà de prendre des gens euh, qui ne sont pas du tout formés au textile au départ. On a travaillé avec Pôle emploi via un système qui s'appelle la, 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 la MRS, qui est un, un système de recrutement, non pas sur les, basé sur les compétences, mais sur les capacités. Il y a souvent une, un distinguo entre compétences et capacités. Et aidé par la région euh, Bretagne et à travers l'Institut français du textile et de l'habillement, on a donc 12 personnes qui sont en formation jusqu'à euh, février de l'année prochaine, euh, et donc, on fait venir l'école à la maison. <laughs> voilà. Et on espère évidemment, euh, certains de nos confrères, notamment euh, euh, la, comment la, la manufacture de la layette euh, et, euh, et Jean-Ruiz, qui ne sont pas en région Bretagne, mais les deux sont en train de, re, de reconstituer euh, des écoles de formation et on espère euh, aller vers ça euh, à moyen terme. L'enjeu des, des compétences, c'est fondamental aussi pour, pour Tribala. Euh, la grande question pour vous, Soyendoir, c'est celle de la pénurie de main-d'oeuvre. Comment vous faites pour euh, tenter d'attirer Il euh, y a la question de la pénibilité, celle de la formation. Comment est-ce que vous procédez oui. Alors c'est vrai que c'est le vaste chantier du moment et tous les leviers euh, identifiés, on les active. Je dirais que le premier grand levier, c'est quand même, ça reste quand même la qualité de vie au travail. Euh, je veux dire, euh, il faut que ça se voit quand les gens arrivent, quand ils découlent l'entreprise. Il faut aussi être capable de les garder. Donc, on a vraiment beaucoup de chantiers qui vont travailler, enfin qui vont viser à ce que les gens s'épanouissent et se réalisent chez nous. Et ensuite, il y a des tas de leviers assez classiques, je dirais, le partenariat avec les écoles, euh, tout le travail de proximité également avec Pôle emploi euh, qu'a cité euh, Marc à côté. Et puis, on, on active aussi d'autres leviers, euh, mais là, on le fait avec les collaborateurs selon euh, l'envie et, et ce à quoi ils se sentent appelés quelque part. Par exemple, on a on travaille euh, on a monté un groupe autour de l'insertion de personnes handicapées dans l'entreprise. On travaille également euh, sur euh, l'insertion de, de personnes en fait issues de milieux plus difficiles, hein, par exemple le milieu carcéral, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait déjà gérer de de façon un peu dans l'ombre. Euh, euh, plutôt lié à notre culture euh, d'impact sociétal. Et puis bah, maintenant, on se rend compte que de toute façon, tous ces leviers-là, il faut vraiment les activer. Donc euh, aujourd'hui, pour illustrer, sur le bassin autour de Noyal, c'est ces 23 postes qui qu nous manquent. Et donc, on se retrouve à faire des ruptures très concrètes. Hein. Il y a des commandes qu'on ne peut plus honorer parce qu'on n'a pas assez de monde dans les ateliers. Quoi. Ça, la réalité. Et vous avez parlé des, de la pénibilité un des gros freins donc c'est euh, bah, d'abord la, la situation de plein emploi dans le bassin euh, dans lequel on est c'est euh, la question de la formation également puisque euh, aujourd'hui on, on est obligé finalement de monter nos propres écoles en interne hein. on recrute beaucoup sur euh, les, les potentiels les savoir-être aussi et on préfère euh, dédier des personnes à former nos propres personnes, parce que de toute façon, on ne trouve plus, on trouve plus des fromagers, euh, par exemple, expérimentés. Donc, il faut les former nous-mêmes. Et, et puis, il y a la question de la pénibilité, parce qu'on est dans l'industrie et que c'est vrai que c'est un frein à l'embauche. Quand on fait des gestes répétitifs qui vont solliciter le corps, etc. Donc, on commence vraiment à se poser la question de des de exosquelettes. On aimerait vraiment expérimenter. Là, c'est des sujets où on a vraiment besoin d'être aidé et d'être euh, en partenariat avec euh, euh, toutes les, les, les personnes sur le territoire qui se mobilisent pour ça, parce qu'aujourd'hui, euh, qu en soi, c'est plus acceptable non plus hein, que les gens euh, finissent leur carrière complètement cassée et de toute façon, on recrutera plus euh, demain. Le mouvement est déjà parti, donc, euh, donc je pense que les exosquelettes font partie de, de solutions d'avenir. Alors Laurence Fortin, on a, on a parlé des compétences et de la formation, qui pour le coup est une compétence de, de la région. Euh, Quelle réponse vous pouvez apporter du coup au niveau de, de la région Bon, j'ai envie de dire que c'est d'abord des réponses globales. Hein, ça vient d'être dit. Et si on fait le lien avec le thème d'aujourd'hui, on se dit que quelque part la relocalisation, il nous manque des entreprises. Et puis, euh, et puis de l'industrie, et puis de l'autre, euh, il nous manque des bras. Donc, euh, on a un défi euh, qui est devant nous, qui est assez euh, important, et je pense qu'il est loin d'être infranchissable, mais il faut vraiment euh, s'y atteler. Alors, à l'échelle de la région, effectivement, euh, compétences euh, économiques, compétences euh, formation, on a euh, pour l'instant deux stratégies euh, qui sont euh, côte à côte. On se dit déjà, il va falloir qu'on les travaille. La décision politique qui est prise, c'est effectivement de de se faire parler ces deux schémas qui se nourrissent les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie de développement économique qui n'est pas en phase avec une stratégie de développement de la, de la formation. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais et, au fur et à mesure, on travaille tous les uns et les autres par silo parfois, un peu trop. Donc là, c'est vraiment euh, cette euh, volonté-là. Et donc, euh, au-delà de ça, on se dit aussi, bon, allez, on, on est en plein emploi. Bon, on n'y est pas tout à fait finalement, puisqu'on est, euh, même en Bretagne, si on avance, on est à 6,5%. On a des personnes qui sont éloignées de l'emploi, il va falloir les chercher, il va falloir les accompagner, il va falloir les former, prendre du temps, mais euh, trouver euh, les effets de levier, parce que d'ailleurs, ce n'est pas non plus acceptable qu'on ait euh, encore 6,5% euh, de personnes euh, qui sont au bord du chemin et, et qu'on a envie et besoin euh, d'associer euh, dans, dans nos projets. Donc, euh, regardons déjà euh, ce qui se passe sur, sur nos territoires. Et au-delà de ça, on a de la chance en plus euh, en Bretagne, j'ai envie de dire, de, de faire venir, d'être une région euh, attractive, dynamique, qui fait un peu rêver, on, on l'a vu avec euh, toutes les autres questions que ça pose. Mais, mais on a notamment euh, besoin d'attirer, d'attirer des talents. Ils euh, viennent, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis on a aussi besoin d'attirer, euh, j'ai envie de dire, le terme d'école bleue. Euh, on a aujourd'hui euh, euh, des usines, des entreprises qui ont du sens, qui ont des valeurs, qui travaillent, qui se questionnent qui réfléchissent beaucoup sur la question des RSE, des conditions de travail, sur la mobilité, le cadre de vie. Euh, c'est aussi des emplois euh, qui sont euh, euh, moins bien, on va dire, rémunérés aujourd'hui, et donc il faut euh, accompagner, accompagner euh, ces personnes pour qu'elles dérisquent, on va dire, leur, leur, leur mobilité euh, professionnelle, parce que c'est pas rien hein, de prendre le risque de venir euh, comme ça dans une nouvelle fonction, euh, d'abandonner euh, sa maison. Euh, son travail euh, et doser ce déménagement. Donc, euh, il y a tout un travail et une volonté que nous avons quand on l'a dit euh, d'abord plus d'emplois, moins, de, moins de carbone, donc accompagner euh, les transitions. Mais quand on dit euh, plus d'emplois, plus d'usines, euh, c'est aussi prendre, faire le choix, on va dire, de travailler sur des territoires tendus, d'expérimenter euh, des choses pour mieux accompagner. Et donc, l'idée, c'est derrière, on aurait. Euh, d'identifier une dizaine de métiers particulièrement en tension et de tester sur un des territoires précis comment on peut favoriser cette mobilité, comment on peut les aider à trouver le logement en proximité. Donc vraiment une prise en charge plus globale pour voir si, à partir de ces expérimentations, on peut développer tout ça en Bretagne. En tout cas, c'est la volonté que nous avons. La Bretagne, c'est la terre des possibles. On peut y être bien, on peut bien y travailler, on peut être heureux. Et donc, à nous aussi de savoir accompagner et de tester des choses nouvelles. Et donc, la région va contribuer à financer des formations vers ces métiers, justement, en tension Oui, bien sûr. Non, mais euh, déjà, on en finance beaucoup. Il euh, y a aussi beaucoup de, de formations euh, qui existent et qui ne sont pas pourvues. Donc, euh, sur des métiers en tension, donc, on a euh, des questions à se poser. Pourquoi euh, ces métiers en tension, euh, alors que les formations existent, on n'arrive pas à, à remplir. Euh, à remplir ces centres de formation. Donc, on a un gros travail à faire sur l'attractivité des métiers, on, euh, sur l'image des métiers, sur ce que, mais pas seulement l'image, sur euh, le sens de, de, de ce travail. Donc, de liens évidemment avec euh, les écoles, les lycées, l'orientation professionnelle. C'est, il euh, y a vraiment du temps court et du temps long dans tout ça. Il faut vraiment accompagner et orienter euh, à tout moment. Alors vous le disiez, la région attire, mais ça pose d'autres problèmes. C'est celui notamment de, enfin notamment le problème du logement, qui, qui voilà avec un renchérissement des, des coûts des loyers, etc. De, de, de l'achat et des axes de circulation qui sont saturés. Ce que nous en préparant cette conférence. Quelle réponse la, la région peut apporter Peut apporter Alors la région seule ne va pas résoudre le problème du logement seul. Par contre. Les acteurs locaux, les élus locaux, avec la région, on peut travailler ensemble pour essayer de répondre collectivement, mais j'ai envie de dire aussi avec les entrepreneurs et les entreprises. D'abord, il faut penser aux différents modes d'accession ou de logement. On a les communes ou les interco qui s'occupent du logement social. On a, euh, nous, la volonté euh, de créer un office foncier solidaire euh, à l'échelon euh, de la Bretagne pour permettre justement à des euh, travailleurs d'accéder et de pouvoir euh, se loger en proximité de leur lieu de travail. Parce que le, le, je l'entends bien, moi, c'est qu'à un moment ou l'autre, euh, pour certains emplois, il n'est pas tolérable non plus de devoir faire une demi-heure de route le matin. C'est complètement incohérent. En plus, avec son, son automobile, on va dire que euh, aujourd'hui, en, en 2021, on ne peut pas imaginer euh, que pour certains... Euh, métiers et en plus ce sont souvent les métiers les moins bien rémunérés où la personne est complètement dépendante de sa voiture et est obligée d'aller loin de son travail donc il y a toute la question du parcours résidentiel qui est à travailler et bien entendu la région va se mobiliser mais avec les acteurs locaux et avec les collectivités locales pour travailler sur ces points là et je pense que c'est aussi une multitude de réponses qui va permettre de faciliter, de favoriser les choses je crois que vous parliez de projets de contournement qui avait été laissés de côté. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez. Voilà, les axes de circulation, c'est quelque chose d'important pour vous chez Tribala. Ben oui, parce que alors, nous, on est à Noyal, de ce côté-là. Donc, euh, on voit bien qu'on euh, on a la chance du coup, de pouvoir bénéficier de toute la partie euh, du secteur de Vitré, Châteaubourg, etc., où là, ça va aller. Mais vous voyez, le sens de circulation le matin, c'est terrible. Il y a des endroits où il ne faut pas habiter, quoi, en fonction de là où vous travaillez, c'est rédhibitoire. Alors, évidemment... Euh, on favorise le transport au commun, on a la chance de ne pas être loin de la gare, on favorise aussi les déplacements en vélo, enfin, on, est fait, on essaie de faire plein de choses pour faciliter l'accès euh, domicile-travail, mais ça nous pose vraiment question aujourd'hui quand on voit les axes autour de Rennes, euh, avec l'étude qui est arrivée et les 130 000 emplois, entre le logement, la rareté, le prix, les axes routiers qui sont saturés à certains endroits, ça nous fait un peu peur. Avec ce classement d'autoplus, je crois qu'il dit que Rennes est la ville la plus embouteillée de France depuis la rentrée. Alors, je ne sais pas si tout est fiable, mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas, pas un très bon signal. Euh, en pleine pandémie, la France s'est rendue compte de sa dépendance dans, dans certains domaines, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, L'exemple des masques, finalement, est assez emblématique. Il euh, y a une filière qui s'est reconstituée en urgence. Aujourd'hui, on a cinq sites, je ne veux pas de bêtises, qui produisent des masques en Bretagne. Euh, mais les dépouchés manquent, face à la concurrence chinoise notamment. Les appels d'offres continuent à se focaliser sur le prix, en tout cas ce que mettent en avant les acteurs de la filière. Et les acteurs publics, est-ce qu'ils travaillent sur ce problème Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que voilà, la COP des masques a alerté. Voilà, il y a plusieurs acteurs comme ça qui disent aujourd'hui, voilà, on n'a pas de débouché. Est-ce que ça bouge de ce côté-là Il faut dire qu'effectivement, on peut tenir tous les discours, mais si on se focalise tous toujours que sur le prix et que c'est le seul élément euh, différenciant ou engendrant euh, l'acte d'achat, ça va poser euh, euh, problème. J'aimerais bien que, que d'une manière générale, mais j'ai envie de dire que collectivement, on n'oublie pas ce qui s'est passé euh, avec cette crise, euh, cette crise Covid. Euh, à un moment, euh, la COP des masques, euh, elle naît de quoi Du constat euh, qu'en France, on n'est plus capable de, de se produire de se couvrir, la cinquième, région, enfin, la cinquième puissance mondiale n'est plus capable de se procurer des masques. Vrai sujet, n'est plus capable d'avoir des gels hydroalcooliques. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, on n'est plus en situation de répondre à nos propres besoins. Donc là, je pense qu'il ne faudrait surtout pas être amnésique sur ce qui vient de se passer. On a eu la chance de pouvoir se nourrir. Euh... Bon, les producteurs ont continué, mais imaginons un instant si on avait fait ce même constat. Donc, vraiment, j'espère, on a dit euh, que tout ne reviendra pas comme avant. Il y a des choses qui vont évoluer, c'est certain. Il euh, y a des choses qu'il ne faut surtout pas oublier pour, euh, pour en tirer les conséquences. Donc, sur la question euh, des COP des masses, mais plus généralement euh, sur ces actes d'achat, euh, j'ai envie de dire qu'on a un besoin précis, une attente. La région accompagne euh, le projet. Et je pense que c'est légitime d'accompagner euh, le projet. Il y en a eu plusieurs, euh, des différents projets euh, en Bretagne. Euh, du modèle complètement privé, complètement indépendant, sans dépendance, et puis euh, des modèles euh, différents euh, sous forme euh, de coop. Euh, ensuite, chacun va trouver, va développer euh, stra stra sa stratégie, on va dire, pour atteindre. Euh, pour résultat des courses, on est à une étude est sortie à 90 ou 95% d'achat des masques encore en Chine. Bon, deux sujets, c'est... D'un côté, on a des grands donneurs d'ordre qui disent ben oui, mais nous, euh, en pleine pandémie, on a fait des stocks énormes et aujourd'hui, on a nos stocks, donc euh, voilà, c'est possible, admettons. Bon, donc si c'est vraiment que ça, dès 2022, les choses vont se rectifier parce que les masques, on va encore en avoir besoin, notamment ces grands donneurs d'ordre. Et puis il y a ceux qui ont, euh, qui sont alertés au moment où ça se passe et puis qui finalement n'ont pas changé euh, euh, leur mode d'achat. J'ai envie de vous dire que le conseil régional de Bretagne n'a acheté que breton, n'a acheté que breton. Et pourtant, on fait des marchés. Donc, c'est possible. C'est possible de faire des appels d'offres et voilà. de, de justement d'orienter aussi les achats. C'est possible, mais maintenant, il faut, faut l'organiser. Mais il faut aussi, à un moment ou l'autre, que euh, nos acheteurs dans les entreprises, euh, ben, il y a une commande entrepreneuriale, il y a des habitudes de travail qui ont été prises. Donc, tout ça, ça change pas du jour au lendemain. C'est relativement long. Euh, on travaille, pareil, sur la question de l'alimentation euh, dans les lycées. Avec une volonté de développer les circuits courts, je peux vous dire qu'on y travaille déjà depuis plus de cinq ans. Euh, c'est long, c'est long. Alors il faut faire évoluer euh, nos façons de faire, nos acheteurs, faut sensibiliser. Mais il y a des moments, il faut aussi euh, donner des capes. Et surtout, euh, je pense que la période actuelle est vraiment importante pour se dire n'oublions pas et modifions euh, nos comportements. Il faut vraiment. Euh, euh, c'est pas seulement une déclaration comme ça. C'est réinterrogeons euh, nos process. Et ce matin, euh, j'avais un chef d'entreprise qui me disait eh ben Effectivement, moi, je me suis posé la question en entendant parler des sujets sur les masques. Je me suis posé la question de savoir comment ça se passait chez moi, et on continuait à acheter à l'extérieur. Et, et j'ai donné pour consigne de dire attendez, c'est pas la, quel, les quelques euros de différence qui font qu'on ne peut pas acheter euh, aujourd'hui en, en Bretagne. Et la commande est passée de dire de, on passe en Bretagne. Et moi, je rêve d'une chose, c'est qu'à un moment ou l'autre, on ait aussi le bilan carbone de tout ça. Parce que si on avait le prix avec le vrai bilan carbone, je suis sûr qu'on n'en serait pas à quelques centimes. Mais, mais ce n'est pas seulement qu'une histoire de prix. C'est aussi une volonté, un changement, des orientations politiques, des achats responsables. Ce n'est pas que des mots, c'est des actes. Merci à tous. Ce sera la fin de cette table ronde. On l'aura compris il va falloir tirer les enseignements de la, de la crise euh, qu'on vient, qu vient de vivre et dans laquelle on est encore, hein, soyons réalistes <laughs> si vous vouliez ajouter quelque, oui, quelque chose j'aurais bien répondu un petit peu sur la question tout à l'heure euh, des formations qui ne trouvent pas non plus des candidats et la, la question du sens et j'avais une image qui me venait que je voulais partager, qu'on utilise de temps en temps et peut-être qu'il y a un travail à faire plus en proximité avec les écoles et les partenaires sur le sens de chaque métier plutôt que le quoi en fait et les, la tâche parce que j'utilise des fois cette image du casseur de pierre, c'est-à-dire vous pouvez croiser un premier casseur de pierre, il va vous dire euh, je casse des cailloux. Le deuxième, il va vous dire qu'il monte un mur alors qu'il fait exactement la même chose. Et le troisième, il peut vous dire je construis une cathédrale. Voyez et nous, on le voit, on cherche à mettre du sens dans le travail au quotidien, dans les usines, pour que les gens chez nous ne disent pas euh, je, je mets du, du lait dans un, dans un pot en plastique, quoi, pour dire je nourris la France. Vous voyez la différence Et je pense qu'on peut aussi euh, aider à créer plus d'envie de, et redonner du sens au travail ou à certaines fonctions en travaillant euh, ensemble. Voilà. Oui, je suis Excellent. tout à fait d'accord. Je dois avouer que les personnes qui viennent chez nous tous les matins, qui arrivent chez nous tous les matins, ils ont le sentiment d'entrer de, 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 dans une start-up et pas de rentrer à l'usine dans une usine de textile. Et c'est vrai que bon, ça participe aussi de la façon dont on, on les accueille, dont on travaille. On, enfin, on est toujours tous ensemble sur le pont, quoi. Et c'est vrai que la revalorisation des métiers industriels, et c'est valable pour euh, Solène, mais c'est euh, valable pour nous également. Et d'une manière générale, si on veut ré réindustrialiser, pardon, euh, notre pays, ça passera aussi par la revalorisation euh, des métiers euh, de l'industrie et pas vouloir travailler que. Euh, dans le virtuel et que dans les startups virtuels. Voilà. Parfait. Merci à tous, en tout cas. Merci à vous.